Ils font l'information, ils suscitent l'interrogation, ils sont face à la rédaction. 88.4 Top Congo FM. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour. En 2015, le 14 juin, élection municipale et locale. Le 29 août, celle des conseillers urbains, bourgmestres et chefs de secteur. Le 15 octobre, interviendront les élections des maires et de leurs adjoints. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, vient de publier le début du calendrier électoral des futures élections. Là où on attendait les provinciales, sénatoriales et élections des gouverneurs, on n'aura eu le droit qu'aux élections locales, municipales, jamais organisées depuis 2006. Ce qui a suscité beaucoup de réactions côté classe politique et même du côté de la société civile. Pourquoi la CENI a-t-elle choisi d'opérer ainsi? Pour en parler ce jour, le Top Press reçoit M. l'abbé Apollinaire Malou-Malou, le président de la Commission électorale nationale indépendante. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Pour vous interroger avec moi, Gaël Kibungu, Diwan, Willy Kalengai, Géopolis, Eric Ambago et Thierry Kambundi, de Top Congo FM. Monsieur l'abbé, toujours pas de loi électorale. La classe politique est en concertation sur le sujet élection. Suffrage universel indirect au provincial, on en parle. Impossibilité, selon certains, d'organiser les présidentielles dans les délais constitutionnels. Alors que tout le monde vous avait attendu et ne vous attendait plus sur ce calendrier électoral, que vous publiez de façon partielle, pourquoi aujourd'hui donner des dates et seulement sur une partie du cycle électoral ? Je voudrais d'abord rappeler que nous mettons en application une loi ayant modifié la loi électorale qui est encore en vigueur. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de loi électorale. Certes, il est, après la concertation nationale, on a annoncé des réformes électorales, mais à ce moment-ci, la CENI ne peut que fonctionner sur base de la loi en vigueur. Je voudrais vous rappeler que cette loi en vigueur n'a pas annoncé que les élections provinciales et sénatoriales. C'est une erreur. Elle a annoncé l'ensemble des élections présidentielles, législatives, provinciales, sénatoriales, urbaines, municipales et locales. Donc, je m'inscris à faux. Quand j'entends des personnes qui disent que les élections urbaines, municipales et locales n'étaient pas attendues dans le cycle électoral de 2011. Du reste, si vous lisez les résolutions de l'Assemblée nationale, elles vont bien vous instruire sur le fait que même le législateur lui-même, lorsqu'il a demandé qu'on puisse suspendre le processus électoral après les évaluations de 2011, dans ses résolutions, il parle aussi bien des élections provinciales, sénatoriales, qu'urbaines, municipales et locales. Il va même dire qu'il faudra la loi donc de répartition des sièges pour toutes ces élections-là, une loi annexe. Donc là d'abord, je crois que c'est la précision qu'il faut donner. Mais au-delà de cela, l'article 211 de la Constitution rappelle, je crois, à tout le monde que c'est à la CENI d'assurer la régularité du processus électoral et référendaire. Donc notre question n'est pas simplement est-ce qu'il y a une élection qui intéresse ? Non. Est-ce que nous pouvons organiser l'ensemble des élections ? Donc nous entrons dans un cycle électoral très surchargé qui annonce en 2015 et à 2016, la tenue de l'ensemble des élections. Donc, et le calendrier n'est qu'un aspect. Pourquoi ? Nous l'avions déjà annoncé dans la feuille de route, que chaque fois que les moyens y afférents auront déjà été votés et que aussi la faisabilité y afférente aura été établie, nous annonçons le calendrier. Il faut faire la différence entre la feuille de route qui est globale, qui vous annonce la couleur et qui annonce que la CENI s'inscrit dans un processus qui va nous amener jusqu'à 2016.
elle ne s'inscrit pas dans un autre processus. Donc, il faudrait que les gens s'apaisent finalement. L'ensemble des élections seront organisées et la faisabilité nous demande en fait de commencer par les élections urbaines, municipales et locales. Pourquoi ? Parce que toutes les autres élections, même si c'était au suffrage direct, donc les députés provinciaux, nationaux et présidentiels, cela peut s'organiser en même temps, sans aucun problème. Donc là, on part du principe que nous sommes dans un nouveau cycle, le cycle 2011 qui prévoyait notamment les élections provinciales, sénatoriales et de nouveaux gouverneurs. Celui-là est oublié. Là, on part, destination 2016, on ouvre une nouvelle page et on commence par les municipales. Sénatoriales, tout ça, c'est... Ce n'est pas une nouvelle page. Ce que je veux vous dire, c'est que la loi a annoncé l'ensemble des élections. La CENI sortante n'a organisé que les élections présidentielles et législatives. Et elle devait organiser l'ensemble des autres élections. Et évidemment, au moment où nous avons ces arriérés électoraux, nous avons aussi la pression de 2016. Le travail de la CENI consiste à établir la faisabilité de ces élections-là. Pour que toutes les élections soient tenues, d'ici 2016. La CENI doit savoir quelle en est la séquence. Elle a une élection qui, elle, ne peut pas se combiner avec les autres élections. Ce sont les élections municipales et locales. Elle a d'autres qu'on peut combiner ensemble. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle commence par la grande élection, celle qui concerne la population. Celle qui concerne aussi le plus de circonscriptions électorales et cette élection urbaine, municipale et locale. À partir de là, à 2016, peu importe l'option qui aura été prise, elle est à même d'organiser l'ensemble du reste des élections. Tandis que ceux qui veulent nous demander de ne commencer que par une élection veulent renvoyer au calendrier grec les élections urbaines, municipales et locales. Gaël Kibungu, Biwan. Heureuse de vous revoir, Apollinaire Malou-Malou. Vous préférez Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante ou Monsieur l'Abbé, tout simplement ? Je suis un abbé. Alors, au service de qui êtes-vous, Monsieur l'Abbé Apollinaire Malou-Malou ? Je crois que, selon l'article 211, je suis au service de la nation. Je suis membre d'une commission électorale nationale indépendante qui a comme charge, selon la Constitution, d'organiser le processus électoral, notamment l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, les opérations de vote et de dépouillement et le référendum. Donc vous avez aujourd'hui la mission d'organiser des élections justes, démocratiques et libres que tous les Congolais et les Congolaises, toutes les Congolaises attendent. Aujourd'hui vous êtes lancé avec ce calendrier électoral qui ne met pas tout le monde d'accord. Il y aura une question de consensus électoral. Est-ce que vous n'êtes pas déjà conscient d'emblée que la suite sera tout à fait triste ? Madame, est-ce qu'on peut avoir une élection, un calendrier où tout le monde est d'accord ? Vous trouverez ce calendrier où ? À quoi servent vos cadres de concertation qui ne sont pas déjà opérationnels selon beaucoup d'observateurs ? Les cadres de concertation sont opérationnels. Je vous informe que nous avons déjà dans ce cadre organisé plus de 20 rencontres. Chaque rencontre a duré 5 heures de temps. Et que donc on ne peut pas dire que ce n'est pas opérationnel. Bien sûr, nous sommes au début, nous pouvons toujours améliorer. Ce cadre sert à deux choses essentiellement. Premièrement, nous avons l'obligation d'information électorale, en toute équité et transparence. En deuxième lieu, nous pouvons donc requérir, avant la prise de décision, un certain nombre de suggestions. Mais cela étant, il ne faut pas qu'on se trompe. La CENI est dotée d'une assemblée plénière qui est l'organe de décision. Elle prend ses décisions à toute indépendance
et neutralité. Tenant compte quand même des acteurs du processus électoral. Elle tient compte aussi d'un ensemble de contraintes. Un calendrier électoral n'est pas qu'un aspect. C'est l'ensemble de contraintes financières, logistiques, politiques, administratives, opérationnelles. C'est cet ensemble de contraintes que la CENI examine et elle trace la route sur base de l'ensemble de contraintes et non d'un aspect. Bon nombre d'acteurs pensent aujourd'hui, sont unanimes sur la question, pas d'élections locales et municipales avant 2016, juste et crédible. Mais pourquoi ils ne sont pas d'accord? Non, je vous dis que de toute façon, les dates sont fixées. On se donne rendez-vous avec la nation. Ceux qui pensent que ce n'est pas possible, je pense qu'ils vont déchanter parce que là, nous allons totaliser maintenant un an de juin 2013 à juin 2014, un an de travail préparatoire sérieux. Et nous continuons. Je pense que la CENI ne peut pas annoncer un calendrier sans qu'elle ne se sente pas à même de l'organiser. Peut-être pas la bonne solution aussi. En 2006, juste un petit rappel, vous avez dû annoncer les résultats dans un char de combat. Hein. En lieu et place peut-être de vos archanges et vos anges. Est-ce qu'on ne va pas arriver à une situation où il y aura un malaise s'il n'y a pas consensus électoral au départ? Le char de combat est devenu une symbolique, mais je pense que les Congolais ont la mémoire courte. On n'a pas annoncé d'abord dans les écharpes de combat, on a annoncé les élections à la RTNC, mais nous sommes allés là dans un char de combat des Nations Unies. Pour quelles raisons? Pas à cause de questions électorales, mais parce qu'il y avait une altercation entre la garde du vice-président Bemba et les agents commis à la garde routière. Alors, c'est un simplement des précautions sécuritaires, puisque nous avions un comité de sécurité électorale. Mais ce n'était pas à cause des élections. Donc il ne faudrait pas qu'une bête question de sécurité soit transformée en un problème électoral en insinuant que c'était parce qu'il y avait des problèmes d'intégrité. Non, nous sommes allés annoncer le premier tour des élections avec beaucoup de courage et nous avons amené le peuple congolais au deuxième tour. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Monsieur l'abbé Malumalu, je suis un peu, je dirais, écœuré par votre réponse à la question de ma consoeur Kibungu. Vous dites qu'on ne peut jamais mettre tout le monde d'accord autour d'un calendrier électoral. C'est pourtant la mission qui vous a été assignée par l'Assemblée nationale. Vous, nouvelle équipe arrivée en juin 2013 à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, comment comptez-vous organiser des élections ou mener à bien un processus électoral dans ce contexte de crise qui s'annonce déjà avec une opposition qui en bloc est contre vous et une société civile qui crie également au scandale après la publication de votre calendrier électoral? D'abord, je suis l'acteur de la société civile. Je vous défie. Vous parlez de quelle société civile? Moi, je les rencontre régulièrement. Et je vous informe que ce n'est pas parce que vous avez entendu la voix d'un acteur de la société civile ou de quelques acteurs que vous pouvez procéder à cette généralisation. Société civile que vous rencontrez justement, monsieur l'abbé, parce que nous avons également, en tant que journalistes, tendu nos différents micros à la même société civile qui dit non à votre calendrier. Vous savez, je crois un défaut de croire que Kinshasa, c'est la République démocratique du Congo. Aller en province, rencontrer les uns et les autres, et nous allons voir. De toute façon, la CENI va faire une tournée de sensibilisation électorale, va rencontrer tous les acteurs, vous suivrez, et je vous défie si vous aurez la même conclusion à la fin. Ce 29 mai 2014, Top Congo FM Top Congo FM a reçu la réaction de la société civile de la province du Katanga. Sans parler de celle du Nord Kivu qui est intervenue chez nous, celle du Sud Kivu également qui est contre votre calendrier électoral. Alors ne nous réduisez pas à la seule société civile de Kinshasa. Je vous informe que j'ai rencontré tous les acteurs de la société civile dernièrement de toutes les provinces. Il n'en était pas question. Ils sont pour votre calendrier? Il a bouillé. Je pense que la question du calendrier, d'abord, je voudrais revenir. Ce sont des prérogatives de la CENI de pouvoir établir un calendrier électoral. Et je vous défie de me citer quel est le pays dans le monde où pour faire le calendrier électoral, on doit faire des palabres.
vous n'en trouverez pas. Parce qu'il ne faut pas aussi qu'on invente la roue, qu'on commence à croire. Le calendrier, on l'établit sur base d'un certain nombre de critères et de paramètres. Ces paramètres peuvent rencontrer l'assentiment des uns et des autres, mais attention, les prérogatives de la CENI de pouvoir publier un calendrier électoral lui sont exclusives par la loi. Et donc, je voudrais vous dire que la crise dont vous parlez ne devrait pas être le premier élément à prendre en compte. Pourquoi ? Ça veut dire que la CENI ne pourra jamais organiser les élections en République démocratique du Congo. Si chacun à tour de rôle nous dit qu'il y a une crise et que vous nous dites qu'à chaque fois que quelqu'un refusera, il faut s'arrêter, il ne faut pas continuer. Vous commencez par dire, monsieur l'abbé, s'il vous plaît, que la société civile est avec vous. Et aujourd'hui, vous dites que la CENI, dans tous les cas, est le garant de l'organisation des élections. Si vous ne voulez pas que l'on parle de la société civile, parlons de l'opposition qui en bloque à rejeter ce calendrier. Comment vous allez organiser les élections dans ce contexte ? Non, moi d'abord, je pense que nous sommes en train de faire des confusions de rôles. Là où il y a des confusions de rôles, c'est que vous avez un organe qui est appelé à pouvoir organiser les élections en toute impartialité, sans tenir compte de pouvoir dire quels sont les intérêts des uns et des autres. Même l'article 22 de la loi organique demande à la CENI de ne pas se faire influencer par les forces extérieures dans sa délibération, de pouvoir délibérer en toute âme et conscience et de dire qu'est-ce qui est requis pour le peuple congolais dans la tenue des élections. Comme je vous dis, c'est la CENI qui veille à la régularité du processus électoral et cette régularité amène la CENI à prendre des décisions courageuses. Parce que si elle ne prend pas de décisions courageuses et qu'elle va d'hésitation en hésitation, je pense que là, la CENI ne va pas nous aider. Mais je rappelle une chose. Je ne vous ai pas dit que tout le monde est d'accord. Je vous dis simplement que méfiez-vous des généralisations. Willy Kalengai, Géopolis. Monsieur l'abbé, merci d'être là. À vous entendre parler, je crois que des auditeurs vous ont suivi. Vous ne voulez pas qu'on vous instrumentalise. Vous revendiquez l'indépendance de la CENI, ce qui est tout à fait une bonne chose. Mais ma question est celle-ci. Si nous ne faisons les élections sans un minimum de consensus, pensez-vous que ces élections se feront sans violence ? Pensez-vous que le fait de revendiquer de toute force cette indépendance sans ce consensus minimum pourra garantir une bonne tenue des élections ? Êtes-vous prêt à assumer historiquement cette option-là ? Je pense d'abord que nous sommes dans une démocratie représentative où la violence est bannie sous toutes ses formes. Donc il ne faudrait pas que les acteurs politiques pensent que l'intimidation de la CENI va être le mode de fonctionnement. Quelqu'un qui planifie la violence est dangereux pour la démocratie. Et donc je pense que, à tout étant de cause, la CENI est là pour organiser des élections qui soient crédibles, qui soient transparentes. Les critères sont établis à l'avance. Aller sur le terrain de l'intégrité, aller sur le terrain de la transparence, aller sur le terrain qui permette de voir comment ces élections seront organisées. Parce que nous sommes sur ce terrain-là, monsieur l'abbé. Vous avez même désigné ce terrain de la transparence. Il y a quelques mois, on parlait déjà du recensement de la population congolaise comme condition préalable à la mise en place du fichier électoral. Vous publiez un calendrier, il n'y a pas de recensement. Assommons-nous dans les mêmes processus de transparence. Alors, regardons toujours cette même lancée. Il y a effectivement eu la loi électorale qui doit être révisée, mais en même temps qu'elle est révisée, on propose une révision de la loi électorale, vous lancez un calendrier sur l'ancienne loi. C'est que les matières qui sont aujourd'hui en exécution ne feront pas partie de la révision.
Non, je pense qu'il y a un peu de méprise. Premièrement, élection provinciale et sénatoriale. Élections urbaines, municipales et locales, ce sont des arriérés électoraux qui fonctionnent sur base de l'ancien enregistrement des électeurs. Parce que comme vous le savez, l'enregistrement est périodique pour un cycle. Donc nous sommes en droit fondé d'organiser les élections urbaines, municipales, locales sur base du fichier électoral existant. Sans recensement. Le recensement qui est annoncé, c'est pour le cycle de 2016. Cela veut dire le cycle qui commence en 2016 et qui va continuer. En ce moment-là, ça sera un enregistrement permanent sur base de l'état civil. Donc, il n'y a aucune violation des dispositions prises. C'était annoncé dans la feuille de route avec beaucoup de transparence. Vous avez des arriérés électoraux qui fonctionnent sur base d'un enregistrement qui a déjà été fait, dont le corps électoral est connu. Vous avez un recensement administratif qui va commencer et qui va nous établir le corps électoral de 2016 et le cycle suivant. En ce qui concerne maintenant la loi électorale, comme vous le savez, la CENI ne peut pas être prise au piège d'une réforme attendue. Elle doit d'abord mettre en application la loi actuelle. Et s'il y avait des dispositions de la réforme qui l'obligent à retoucher son calendrier, elle en tirera toutes les conséquences. Mais nous dire que maintenant nous allons entrer dans l'inertie en attendant une réforme annoncée, c'est nous dire, bien, nous entrons dans un moment où nous attendons. La CENI organise sur base des textes légaux. Il n'y a pas de vide juridique en matière électorale en République démocratique du Congo. Et c'est sur cette base qu'elle peut annoncer le calendrier électoral. Donc c'est en toute transparence. Éric Ambago, Top Congo FM. Monsieur l'abbé Apollinaire Malou Malou, c'est pas par défi que vous avez publié ce calendrier? D'abord, les élections sont à soi un enjeu et un défi en République démocratique du Congo. Un défi pour vous parce que vous avez reçu par devers vous une pétition de Sauvons la RDC vous demandant de dégager. Si vous avez la mémoire vive, vous allez voir que la CENI a annoncé tout cela avant la pétition. Donc on ne peut pas dire que c'est guidé par la pétition. Le calendrier a été publié après la pétition. Mais la feuille de route avait déjà annoncé cela, sans ambiguïté. Donc la pétition, je pense que le peuple congolais devrait d'abord comprendre que nous fonctionnons dans un État qui a des lois. Montrez-moi en quoi la pétition concerne la CENI. Elle ne concerne la CENI en rien. C'est un pour la... par rapport à son président. Des aveux, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Mais la CENI fonctionne sur base d'une loi organique. Et cette loi déjà établit les règles des jeux. Et cette loi dit que la CENI est indépendante. Donc elle ne souffre pas de quelques manœuvres d'intimidation ou de déstabilisation. Vous êtes à l'aise par rapport à cette pétition, pas de problème, vous êtes à l'aise? J'ai fait mon travail avec les membres de la CENI. Monsieur l'abbé Pauline. C'est ce qui est assigné par la loi. Donc j'ai fait ce qui est assigné par la loi et lorsque l'on établira que je ne fais pas mon travail, et vous savez comment ça se fait, il y a un article qui indique. Vous pensez que j'ai fait très mal mon travail, il faut saisir la juridiction compétente en la matière. Mais il ne faut pas penser que nous sommes dans un moulin à vent où chacun invente ses histoires, les ayant inventées, veulent en faire une loi. Non, nous mettons en application les lois de la République. La CENI est dotée d'une assemblée plénière qui est l'organe de décision. Je vous informe que point n'est besoin de personnaliser ce débat parce que jusqu'à présent, l'assemblée plénière a voté toutes ses décisions à l'unanimité de tous les membres, sans aucune abstention ni une voix contre. Donc c'est une responsabilité collective de la CENI et il n'y a que ceux qui ont encore peut-être de la nostalgie des dictatures et qui pensent qu'on devrait continuer avec les idées malencontreuses de personnalisation du pouvoir. Monsieur l'abbé, parlons de ce calendrier. Est-ce que vous avez fait ce calendrier sur base de ce qu'avait programmé le bureau président de Ngoï Moulunda ou vous avez fait table rase parce qu'il y a une projection par rapport au calendrier de Ngoï Moulunda
Parlons par exemple de ces élections locales, municipales et urbaines. Il fallait environ 240 jours pour l'élaboration du modèle des cartes des électeurs, parce qu'il y a 7000 groupements, 7000 circonscriptions, vous le savez. Vous avez fait table rase ou vous vous êtes appuyé sur le modèle proposé ou mis en place par Ngoï Moulunda? D'abord, je vous informe que la CENI, aussitôt mise en place, a d'abord procédé à un diagnostic organisationnel et a tiré les leçons aussi bien des expériences électorales de 2006 que de 2011. Et donc, ce que nous annonçons, ce sont des leçons tirées de l'ensemble du processus. Vous avez fait table rase du calendrier Ngoï Moulunda. Mais comment je vous dis qu'on a tenu compte de ça? Vous dites qu'on a fait table rase. On n'a pas fait table rase. Là où il y a, je crois, une méprise, c'est que, comme par exemple actuellement, nous venons d'annoncer les élections urbaines, municipales et locales. Mais nous vous avons donné une feuille de route. Si la CENI actuelle n'était plus là, vous allez prétendre que les élections provinciales et sénatoriales et les élections présidentielles et législatives ne font pas partie du cycle. Non. Je pense que là où on ne se comprend pas, c'est que l'organisation des élections, c'est un domaine hautement technique qui demande des plans opérationnels très très rigoureux et on n'improvise rien. C'est un domaine où l'improvisation n'a pas de place. Donc dites-vous que derrière ce calendrier, il y a des plans opérationnels très très précis. Donc il n'y aura pas de glissement. Si vous dites vous êtes précis, il n'y aura pas de glissement. Il n'y aura jamais de glissement parce que vous avez tout prévu, tout planifié. Bon, le jamais, c'est trop dire. Mais je pense que si nous vous annonçons le calendrier, c'est que nous sommes convaincus que les élections municipales et locales auront lieu bel et bien au scrutin direct le 14 juin 2015. On ne pourra jamais coupler les deux. Aujourd'hui, élections provinciales, élections locales comme certains voudraient bien. Pourquoi vous refusez qu'on puisse coupler les deux élections? Je vous ai dit que nous nous basons sur la réalité, pas la fiction. La réalité, ce pays s'appelle la République démocratique du Congo, un sous-continent, sans infrastructure de base. Attention, ne commençons pas à inventer. Même ceux qui ont plus de moyens que nous, c'est par les locales des autres élections. Et nous qui n'en avons pas, nous allons continuer à inventer la roue là où les autres prennent des précautions. Je vous informe que cette question n'est pas une question à prendre au hasard. Nous vous disons ceci. Vous voulez des élections combinées. Elles sont possibles en République démocratique du Congo. Et nous vous en donnons la faisabilité. Ce qui est possible à combiner, c'est que vous pouvez combiner le même jour élections des députés nationaux, élections des députés provinciaux, parce que la circonscription est la même. C'est le territoire et la ville. Et présidentielle, c'est une circonscription. Donc les trois élections, vous pouvez les organiser en même temps. Voilà la faisabilité. Vous ne pouvez pas chercher à les combiner avec une élection qui a plus de 7000 circonscriptions électorales. Alors, nous vous donnons la faisabilité des élections pour qu'elles soient régulières. Ne nous amenez pas simplement à des supputations qui consistent à faire croire qu'on organise les élections vaille que vaille. Non. Les élections s'organisent avec un esprit méthodique. Et cet esprit méthodique doit nous amener à dire voici la réalité du système électoral. C'est quoi, l'intelligence de cette réponse? Sur 7000 circonscriptions, 160 circonscriptions, si on les met ensemble, c'est quoi? Ce sera les finances qui posent un problème ou c'est. Qu'est-ce qui va poser problème? La logistique est afférente. Parce que quand on vous parle des 7275 circonscriptions électorales, si on garde la situation actuelle de groupement, ça veut dire que ce 7275 bulletins différents à destination unique qui s'appelle le groupement et la commune. Alors pourquoi voulez-vous que... Ça veut dire que vous ne maîtrisez pas encore un peu le fonctionnement de cette affaire. Parce que si vous maîtrisiez, vous trouveriez le mécanisme pour coupler les deux élections. Non, c'est parce que nous en avons la maîtrise que nous vous en donnons la faisabilité. On vous donne la faisabilité de l'ensemble des élections. Mais pourquoi voulez-vous vous entêter et ne pas suivre les experts à la matière? Parce qu'à vouloir faire l'entêtement sur base uniquement des intérêts des acteurs politiques,
Mais nous, ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, nous devons savoir quelle est la faisabilité du système électoral congolais. Nous vous disons, vous voulez qu'il soit régulier et qu'on ne déplore plus le dysfonctionnement actuel. Alors organisons-le avec méthode. Élections locales séparées des autres élections. Et toutes les autres élections, c'est possible de les faire ensemble. Et avec ça, nous garantissons que 2015-2016, nous pouvons organiser l'ensemble des élections. Vous voulez nous amener à une élection locale qu'on amène au calendrier grec? Ou vous voulez nous dire, d'abord parce que je m'étonne quand les gens qui disent qu'ils veulent les élections à 2016 nous disent qu'il faut combiner les élections locales et provinciales. Parce qu'ils savent que la faisabilité afférente nous amène au-delà de 2016. Forcément, techniquement parlant, nous ne vous annonçons un calendrier où nous garantissons que les élections locales se passent à 2015 et le reste des élections se passent à 2016. Vous nous amenez dans des supputations où, justement, comme on dit qu'il trop embrasse mal les trains, à force de vouloir nous ajouter d'autres élections, aux élections les plus grandes, je pense qu'en dehors du Nigeria, il n'y a pas un autre pays qui peut avoir des élections aussi grandes que la RDC en matière d'élections urbaines, municipales et locales. Donc, méfiez-vous, nous connaissons bien notre métier. Et c'est à nous de vous dire, c'est ce que dit la loi, quelle est la faisabilité des élections en République démocratique du Congo. Monsieur l'abbé Malou, on clôture ici le sujet élections locales et municipales. Vous disiez tout à l'heure d'entrée qu'il n'y a pas de loi, vous contredisiez mon introduction dans laquelle je disais qu'il n'y a pas de loi électorale, mais à chaque élection sa loi, ça dans le passé on l'a vu. Et déjà, ou aussi, ou encore une polémique au sujet justement de votre feuille de route. L'organisation au suffrage universel indirect pour l'élection des députés provinciaux. Qu'en est-il? Est-ce que tout ce qui s'est dit en une demi-heure ici, en ce qui concerne les municipales et locales, la difficulté d'organiser des provinciales dans la foulée, concerne dans votre esprit des élections au suffrage universel direct ou cette nouvelle élection au suffrage universel indirect? Je pense que d'abord, notre boulot, c'est de pouvoir contribuer à l'élaboration des lois essentielles du processus électoral. Donc, quand nous vous donnons des propositions, ce n'est pas à nous de décider, puisqu'il y a la séparation du pouvoir. Il y a le législateur qui doit se prononcer là-dessus. Et le débat démocratique qui s'anime là-dessus, c'est un débat démocratique important. Que les uns les autres s'expriment, nous sommes pour telle option ou telle autre, ça, il n'y a pas de problème. Ce que nous voulions vous dire, c'est que la feuille de route que la CENI a proposée, elle l'a proposée avec un grand esprit d'ouverture. Puisqu'elle vous dit, si l'on retient le système actuel de l'élection des députés provinciaux au scrutin direct, ces élections auront lieu à 2016, en même temps que les élections législatives et l'élection présidentielle. Si on préfère, pour élargir le corps électoral des gouverneurs et des sénateurs, que cela soit fait au suffrage indirect, elles auront lieu à 2015. Donc, dans tous les cas, il n'appartient pas à la CENI de décider de cela. C'est là où il y a la méprise. Le fait que la CENI propose, ben les gens pensent que la CENI doit décider. Non, elle ne décide pas. Et donc, lorsque nous faisons la faisabilité du cycle électoral, nous sommes obligés de regarder quels sont les éléments déterminants du cycle. Et nous vous disons, voilà ce qui est possible. À partir de là, que le débat s'anime, c'est ce que nous avions voulu. Il s'anime là-dessus. Les uns les autres se prononcent et le législateur décide. Quand il décide, nous annonçons le calendrier. Mais justement, des élections provinciales et sénatoriales et du reste des élections. Donc nous sommes cohérents avec notre démarche. C'est une démarche qui consiste à rendre régulières les élections en République démocratique du Congo. Parce qu'un pays ne peut pas quand même se complaire dans des lamentations permanentes.
Vous ne pensez pas quand même que on déplore la non-tenue des élections provinciales, sénatoriales. On oublie d'ailleurs que aussi c'est la non-tenue des élections urbaines, municipales et locales. Et voulez-vous qu'au cycle prochain, on soit toujours dans les mêmes lamentations? La CENI s'inscrit à faux contre tout cela parce que, comme je vous ai dit, la Constitution lui donne, parmi ses prérogatives à l'article 211, d'assurer, ce n'est même pas de veiller, d'assurer la régularité du processus électoral et référendaire. Justement, et je reviens avec la même question, excusez-moi d'insister. Dans votre calendrier ou dans votre entendement, vous dites qu'il y a possibilité de coupler élections provinciales, nationales, législatives et présidentielles. Dans votre entendement, pour le respect de la Constitution ou des délais constitutionnels qui prévoient fin 2016 élections présidentielles, est-ce que vous intégrez une élection au suffrage universel direct ou indirect de ces députés provinciaux, ce qui sous-entendrait, si cela doit être direct, est-ce que nous serions toujours dans les délais selon vous? Pour organiser les trois élections, nous serons toujours dans le délai, parce que comme je vous ai dit, ces élections-là se ressemblent et donc les combiner ensemble ne pose aucun problème. En deuxième lieu, je pense que le problème que nous avons, c'est lequel? Nous avons annoncé une feuille de route et nous avions clairement dit que cette feuille de route sera suivie de calendrier électoral, pas un seul. Nous l'avions déjà annoncé que à chaque fois que ça arrive, pourquoi on ne peut pas publier tout le calendrier électoral maintenant? Parce que même le processus budgétaire ne nous permet pas de le faire. Pouvez-vous annoncer le calendrier dont le budget n'a même pas encore voté? Vous allez le faire avec quelle magie? Et donc, le processus budgétaire congolais vous fixe. Vous avez un budget à 2014, vous avez un budget à 2015, vous avez un budget à 2016. Du reste, nous avons déjà donné au gouvernement l'ensemble du budget pluriannuel qui va de 2014 à 2016. En utilisant un outil que les institutions de la République ont mis en place, ce qu'on appelle l'outil de budgétisation pluriannuelle. Fort de cet outil, nous avons annoncé dans notre calendrier que au début de chaque processus budgétisé, nous annoncerons le calendrier électoral y afférent. Et donc, je pense que c'est là où il y a la confusion. Nous planifions l'ensemble des élections, mais le calendrier y afférent seront annoncés chaque fois que les conditions seront réunies. Ce qui fait que, par exemple, le budget des élections, même locales, le Parlement n'a pas tout voté. Mais puisque ça se fait sur 2 ans, nous utilisons les moyens pour cette année pour achever la phase préparatoire de l'ensemble de ces élections, qui vaut aussi pour les élections de 2016. Et en 2015, nous demandons le reste du budget qui était annoncé. Et à partir de là, en 2016, nous demandons le reste. Et donc, voilà un peu la logique. C'est une logique à la fois budgétaire, mais une logique aussi rationnelle. Parce que si nous ne mettons pas de la rationalité dans l'organisation des élections et que nous pensons que nous nous ferons guider uniquement par la passion politique, nous ne pouvons pas nous en sortir. Willy Kalengai, Géopolis. Monsieur Lapé Malou, on dit de vous être un homme extrêmement intelligent, ça veut dire d'autres disent même extrêmement malin, c'est pas moi qui l'ai dit, et que ceci se voit dans la manière dont vous menez les débats et l'intelligence de vos propositions, notamment respecter les délais constitutionnels ou combler les arriérés électoraux. Voilà les dilemmes que vous posez aujourd'hui à la classe politique. Si nous respectons les délais constitutionnels, alors il faut passer au suffrage indirect des députés provinciaux. Si vous voulez que nous puissions combler les arriérés électoraux, alors nous dépasserons le délai de 2016. Et nous savons bel et bien que le contexte congolais est un contexte de suspicion qui voudrait que vous ayez une mission secrète, notamment celle du dépassement de 2016. Donc, votre proposition,
souffrirait de cette idée qu'elle est aujourd'hui venue pour que nous dépassions les délais de 2016. Je voudrais d'abord vous dire que l'organisation des élections ne peut pas être un obstacle pour les élections de 2016. Je vous donne deux éléments importants. Premièrement, comme vous le savez, le système budgétaire congolais indique qu'à la fin de l'année budgétaire, tout tombe en annulation et on recommence à zéro. Je m'étonne quand les gens nous disent « on veut aller à 2016, mais ne commencez pas déjà à mobiliser les ressources de 2014, de 2015 et aller progressivement. » Alors, est-ce qu'on veut les élections à 2016, oui ou non ? Parce que si on veut les élections à 2016, alors on serait content que la CENI annonce la couleur de maintenant, ne tergiverse pas pour organiser un certain nombre d'élections qui nous amènent à 2016. Et puisqu'on ne peut pas nous faire des procès d'intention en la matière, parce qu'en toute transparence, nous avons annoncé donc l'élément qui peut faire retarder 2016. Nous avons dit l'élément qui peut faire retarder 2016. Ce n'est ni la tenue des élections urbaines et municipales et locales, ni le fait que dès maintenant, nous avons commencé le travail, mais c'est le recensement administratif qui est posé comme préalable à la tenue de 2016. C'est même la question par laquelle vous avez commencé vous-même. Alors, est-ce que quelqu'un qui veut retarder les élections peut dire au peuple congolais dès maintenant, voici l'obstacle ? Au contraire, on devrait comprendre que la CENI elle-même vous prévient. Voici où se trouve l'obstacle. Essayez de trouver les réponses à cet obstacle-là. Pourquoi ? Parce que lorsque le législateur change la loi, il dit que le découpage électoral, donc la répartition aussi des sièges, ne se fera plus à l'horizon de 2016, sur base du nombre des électeurs, mais sur base des données démographiques actualisées. Vous savez bien que dans ce domaine, l'actualisation des données démographiques ne peut pas être sous forme de projection, mais sous forme d'identification physique des personnes. Et Dieu merci, il y a un ouvrage qu'on va vulgariser, parce que les réseaux institutionnels de la francophonie viennent de sortir un guide pratique très très intéressant qui montre comment on devrait consolider les listes électorales sur base de l'état civil et avec aussi une dose de protection des données personnelles. Ce guide pratique qui est sorti la semaine passée va nous permettre de faire comprendre à tout le monde où se trouvent les enjeux dans le domaine. Et donc, je voudrais bien que le gouvernement soit tenu responsable de s'il y avait du retard, au cas où lui-même ne savait pas conduire le recensement administratif à temps. Mais vous ne pouvez pas en faire un problème de la CENI qui n'est pas le responsable à la matière. Donc je voudrais que vous, qui êtes chevalier de la plume du son de l'image, vous sachiez que les élections développent plusieurs responsabilités. Le Parlement a ses responsabilités, le gouvernement a ses responsabilités, la CENI a ses responsabilités. Sachez poser à chacun les questions qui lui concernent et que l'institution concernée sache vous répondre où est-ce qu'elle en est avec le processus. Donc, s'il n'y a pas élection en 2016, parole du président de la Commission électorale nationale indépendante, démentez-moi si j'ai tort, hein, ce sera la faute du gouvernement. C'est la non-tenue du recensement administratif. À vous de savoir qui en est responsable. Gaël Kibungu, Biwan. Voilà, monsieur l'abbé, vous faites fi de toutes les considérations hein, des uns et des autres. Pour certains, c'est un peu une ivresse de votre pouvoir, puisque vous répétez ici que la Commission électorale nationale indépendante jouit de ce plein pouvoir, justement, et au-dessus de la mêlée, ce qui est tout à fait votre droit. Mais dans l'organisation des élections, il n'y a pas que le côté technique, le côté logistique, la crédibilité compte pour beaucoup aussi. Votre pouvoir est certainement pas au-dessus de celui de la population très nombreuse de la République démocratique du Congo qui attend des résultats fiables à ces élections. Alors, est-ce que vous allez continuer
affilée sans tenir compte de cet aspect-là. Et puis, en sachant aussi que vous êtes en train de jongler un peu sur cette personnalité indépendante que vous devez avoir et cette appartenance à la majorité présidentielle que l'on vous reconnaît. Comment faire pour crédibiliser ces élections face à la population qui vous suit ? Appartenance à la majorité présidentielle, c'est vous qui le dites. Moi, je suis un acteur de la société civile de première heure. Comment ça s'explique que vous êtes dans les couloirs de la majorité présidentielle ? Non, je pense que madame, on peut bien avoir ses perceptions. Mais il ne faut pas toujours prendre ses perceptions pour de la réalité. Parce que... Vous n'avez jamais fait partie de la majorité présidentielle, c'est ce que vous voulez nous dire. En aucun cas. En aucun cas. En aucun cas. Jamais du PPRD. Vous représentez la PPRD, majorité j'ai attendu quelqu'un. Grandes rencontres internationales, les dernières concertations, le dernier dialogue, on en fait état. Vous étiez dans la délégation de la majorité. À quel titre? Je pense que, madame, il y a des vrais problèmes. D'abord parce que vous êtes journaliste, donc vous devrez bien vous informer. Voilà, À Kambala, nous sommes partis... représentants de confessions religieuses, de la société civile, du gouvernement, à plusieurs titres, chacun parti à son titre. Et donc, vous ne pouvez pas prétendre que si quelqu'un était à Kambala, c'est qu'il est de la majorité présidentielle. Je pense qu'il y a trop d'amalgames sur ces questions-là. Comme aussi le travail qu'on a pu faire dans le cadre du programme Amani, dans le cadre du programme Starek, de contribuer à la paix. Mais les gens oublient que l'événement majeur qui a déclenché tout ça, c'est la conférence de Goma sur la paix, la sécurité, le développement. Je vous défie si à la conférence de Goma, il n'y avait que la majorité. Et donc, nous ne pouvons pas toujours aussi faire des amalgames sur les personnes sans savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font et en quoi ça rime. Moi, j'ai été désigné par les confessions religieuses. Je ne pense pas que ces confessions religieuses soient dites de la majorité présidentielle. Et donc, je pense qu'il est grand temps que l'on sache que lorsque on commence à faire des amalgames, là où nous devons nous concentrer sur le processus électoral, on se trompe lourdement. Et du reste, je vous dis, le législateur a prévu que ça soit une commission électorale composite. Majorité, opposition, société civile. Mais pourquoi vous voulez la ramener dans la majorité? Puisque le législateur en a décidé ainsi, et que je vous dis que les décisions que je vous présente ici ne sont pas des décisions de l'abbé Malouma. La loi dit que c'est l'abbé Malouma le qui représente la CENI vis-à-vis des tiers, mais la loi ne dit pas que l'abbé Malouma, quand il parle de sa propre personne. Est-ce que vous serez fier d'organiser des élections où il y a une adhésion très faible de la population? Mais qui vous dit qu'il y aurait une adhésion très faible? C'est un aspect à prendre en compte. Hein. Aujourd'hui, au regard, vous avez vous-même tiré les conséquences des élections 2006 et 2011. Beaucoup de gens sont découragés, se sont désintéressés par ce processus électoral. C'est également une éducation à faire sur ce plan-là. Il y a une grande campagne de sensibilisation électorale qui est prévue et nous avons mis en place le cadre de concertation pour ça. Mais attention, les résultats des élections, parce que vous avez parlé de résultats fiables, vous avez parlé de crédibilité. Sachons comment se construit la crédibilité des processus électoraux. Parce que si nous commençons à mettre tout dans le mot crédibilité et résultats fiables, non. Je pense que ce que je pourrais vous dire, c'est une chose. La CENI est engagée à organiser des élections qui soient crédibles. Mais je ne pense pas qu'il faut lui faire des procès d'intention. Il faudra la voir à l'œuvre et parler de la réalité de l'organisation des élections et non des angoisses qu'on voudrait projeter dans le processus électoral avant même les élections. Comment est-ce qu'on peut savoir déjà maintenant que la population n'ira pas aux urnes, puisque jusqu'à présent, le taux de participation à 2006
et à 2011 contredit cela. Voilà, donc je voudrais quand même qu'on puisse bien circonscrire la question. La CENI a été mise en place pour organiser des élections qui soient crédibles et transparentes. Cela étant, elle a des règles de jeu. Elle les définit. Et elle les définit en fonction de la loi. À partir de là, elle consulte aussi, contrairement à ce que vous dites. Elle consulte. Mais je pense que consulter ne veut pas dire qu'on va prendre tout ce que chacun a dit. Parce que si c'est ça la définition de la consultation, alors on ne s'en sortira jamais. Consulter, c'est décider à connaissance de cause. On a vu le pour et le contre de telle ou telle proposition. À partir de là, on a décidé on a décidé dans tel sens ou dans tel autre. Thierry Kabundi, Top Congo FM. Avant d'évoquer, Monsieur Labbé, la fiabilisation du fichier électoral, opération que vous avez lancée et qui s'achève à la fin de cette année, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Gaël Kibungu. Vous refusez de reconnaître, enfin, vous dites que vous n'êtes pas de la majorité présidentielle. Alors, et si on parlait de l'autorité morale de la majorité présidentielle, quelles sont vos relations avec le chef de l'État aujourd'hui? Selon la Constitution, le chef de l'État est une institution de la République. Alors, arrêtons de croire que quelqu'un peut être chef d'une institution sans avoir de contact avec le chef de l'État. Quelles sont les relations de l'abbé Apollinaire Molongo Malumalu avec Joseph Kabila Kabangé? Je n'en ai pas, parce que dans ma vie, je ne fonctionne pas avec des relations de ce type-là. Jusqu'à présent, je n'ai vu le président de la République que dans l'exercice des fonctions qui m'ont été confiées. Ça, c'est de manière officielle. Non, mais est-ce que vous voulez que je vous réponde? Vous voulez que vous puissiez inventer votre propre réponse? Si vous me posez la question, laissez-moi vous répondre. Je vous dis que jusqu'à présent, je n'ai fonctionné que dans le cadre de mes fonctions avec lui. Et je n'ai aucune relation personnalisée avec lui. Éric Ambago, Top Congo FM. Monsieur l'abbé Apollinaire Malumalu, les contraintes budgétaires vont vous obliger éventuellement à repousser les élections, le cycle électoral. Pourquoi on peut le dire à l'avance? Nous le savons. Moi, j'ai l'impression que vous voulez être souffleur du gouvernement de ne pas remplir ses obligations. Ce sont des obligations légales du gouvernement de trouver les moyens. Et la CENI ne pourra jamais essayer d'être complaisante vis-à-vis du gouvernement en se disant, quand le gouvernement trouvera les moyens, alors nous allons agir. Il y a des priorités. Il y a aussi dans cette enveloppe l'apport de la communauté internationale qui doit être défini. Généralement, on remarque que la communauté internationale ne met pas rapidement la main à la poche. Donc, il faudra déjà planifier ces contraintes budgétaires et donc programmer ce report des élections. Il y a un comité de partenariat qui réunit le gouvernement et les partenaires. Tous les partenaires qui appuient le processus électoral, le gouvernement, ont déjà reçu le budget. Je vous dis que la prochaine réunion du comité de partenariat entre le gouvernement, la CENI et les partenaires qui soutiennent ce processus, ce comité va se pencher sur la question. Et nous saurons combien la communauté internationale peut apporter comme contribution. Mais quoi qu'il en soit, peu importe si la communauté nationale apporte un soutien ou pas, la mobilisation des moyens incombe au gouvernement de la République démocratique du Congo, celui qui en a l'entière responsabilité. Monsieur l'abbé Apollinaire Malumalu, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci à Thierry Kambundi, Éric Ambago de Top Congo FM, Gaël Kibungu de Biwan ainsi que Willy Kalengai de Géopolis. On va pas se quitter sans parler d'un sujet rapidement évoqué au cours de l'émission. Et l'Église catholique, puisque vous relevez d'elle, vous avez été désigné par les confessions religieuses toutes réunies, c'est elle qui en avait la mission, ne vous avez pas personnellement choisi comme candidat. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec votre Église? D'abord, je pense que l'élection qui a été faite n'avait pas de candidature.
les confessionnaires avaient décidé que chaque confession allait mettre par écrit le nom de sa confession et la personnalité que la confession exige compétente. Donc il n'y avait pas de candidature. On ne peut pas dire donc que l'Église catholique devait me présenter comme candidat, puisqu'il n'y en avait pas. Voilà un peu déjà le processus de vote qui a consisté à le faire. Je pense qu'il y a une méprise parce que je suis fille de l'Église. Donc l'Église, c'est ma mère, comme on dit « mater et ma magistra », et elle peut m'interpeller à tout moment. De là, il ne faut pas, je crois, essayer de pouvoir exploiter cela, en pensant que j'ai un problème au niveau de l'Église catholique, je n'en ai pas. Elle ne vous a pas désavoué ? Je ne pense pas qu'on peut parler à ce terme. Elle a fait une mise au point, et cette mise au point a été suivie par un certain nombre de rencontres avec nos pères dans la foi. Et je pense qu'il faut voir la conclusion qui en est sortie. C'est que cette conclusion, je reste prêtre catholique. Et je suis accompagné par mon évêque dans la mission que j'ai et avec l'Église. Et peu importe, je crois. C'est-à-dire que je ne nie pas que l'Église ait fait une mise au point. Là où je m'étonne, c'est que tout le monde s'arrête à la mise au point sans savoir quelle en a été la conclusion. La conclusion, c'est que je reste un prêtre de l'Église catholique engagé dans une mission qui n'est pas une mission de l'Église catholique, mais une mission de la nation congolaise. Et donc, il faut pas, je ne représente pas l'Église catholique à la CENI. Je représente les confessions religieuses de la République démocratique du Congo selon la loi et je ne parle pas au nom de l'Église. Et ce que j'ai fait n'engage pas l'Église catholique, engage un chrétien de l'Église catholique. J'espère que ça doit être clair, mais cela étant, il ne faut pas en rajouter parce que l'Église catholique est millénaire et l'Église catholique est régie par un droit canonique dont, quand vous êtes prêtre diocésain, votre évêque est le responsable numéro un et je vous informe qu'il n'y a pas eu d'acte de désaveu par mon évêque. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Malou Malou. Deux petites dernières questions pour se quitter. 14 juin 2015, élections municipales et locales. Projection. Là, je vais vous demander de vous impliquer plus dans vos réponses, d'être un peu plus précis. Selon vous, les provinciales, c'est quand et la présidentielle, c'est quand? Si toutes les conditions qui ne dépendent pas de vous sont réunies? Non. Si toutes les conditions qui ne dépendent pas de moi sont réunies, de toute façon, la condition est claire. La convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle aura lieu 90 jours avant la fin du mandat du président de la République. Donc il n'y a personne qui peut changer cette clause constitutionnelle. Et comme vous le savez, la Constitution elle-même indique que si pour des raisons motivées, cette élection ne peut pas avoir lieu, la CENI a l'obligation de demander une dérogation à la Cour constitutionnelle. Et donc voilà les deux articles qui encadrent l'élection de 2016. Cela veut dire que cette élection, elle est impérative. Les provinciales, cela va dépendre de l'option retenue par le législateur. Ces élections provinciales et sénatoriales peuvent avoir lieu soit à 2015, soit à 2016. Et à ce qui concerne le gouverneur et le sénateur, au début de 2017. Voilà, je crois, résumer la feuille de route. Donc là, nous avons deux possibilités clairement établies. Et je pense que ça ne va plus tarder de le savoir, puisque l'Assemblée nationale a obligé le gouvernement à pouvoir déposer toutes les propositions en même temps sur sa table pour qu'elle puisse siéger là-dessus. Et donc, j'espère que dans les jours qui viennent, nous serons mieux fixés et que la CENI pourra vous répondre avec beaucoup plus de précision.
Monsieur l'abbé Apollinaire Malemalou, chers auditeurs, chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec le Top Press, ce sera la semaine prochaine. Nous recevrons le vice-premier ministre en charge du budget, monsieur Daniel Moukoko Samba. Bonne suite des programmes sur Top Congo FM, votre radio. L'actualité qui se poursuit sur le www.topcongo.com. Le Top Press avec Christian Loussakweno.